Alors, je vais vous présenter Zen City. Alors, le héros, c'est Dominique Dubois. Au début, il s'est fait virer de son emploi à cause de ses amis. Il a envoyé un message à son patron parce qu'il croyait que c'était ses amis et c'était pas vraiment. C'était. Voilà. Donc, il va essayer de retrouver du boulot. Il trouve à Global Life. Il doit aller dans une ville donc qui s'appelle Zen City. Pour l'emploi, c'est pour qu'il ait l'emploi, on lui demande des questions assez bizarres sur sa vie, qu'est-ce qui l'intéresse. Et on sait à ce moment-là, la dame n'arrive pas à trouver d'emploi pour lui. Parce qu'il est trop intermédiaire, il n'arrive pas à se différencier des autres. Voilà, donc il est dans la norme. Donc quand il rentre dans Zen City, il est plus dans. On découvre qu'il devient différent parce qu'il lui arrive plein d'histoires. Donc Zen City, c'est une ville high-tech. On leur donne des puces RFID qui permet de se connecter à un réseau, d'acheter des aliments de chez eux, dans un magasin où il n'y a pas d'aliments, on les commande, et c'est eux qui les commandent. Dominique Dubois, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Natouchka. Après, à cause d'elle, ils doivent aller dans un. Ils doivent récupérer une disquette. Enfin, ils découvrent qu'elle est chinoise. Voilà. Elle a plusieurs identités. On découvre plusieurs identités. Après, il a son ami, JB, on le soupçonne de meurtre. Ça, c'est en même temps, c'est une même histoire. Et pour essayer de délivrer Dominique Dubois, il va rentrer dans un club, dans un groupe, dans un clan, enfin voilà, qui lui demande de récupérer des informations dans un étage qui est secret. Donc il y va avec Natouchka. À ce moment-là, il arrive plein d'histoires, donc je peux pas le dire. Donc j'ai bien aimé ce livre parce que y a du suspense. On découvre petit à petit l'histoire de Natsuka et qu'est-ce qui lui est arrivé à JB. Voilà.